Me concerne pas. Mais si tu viens dire des choses que l'évangile n'a pas dit. L'évangile Roger Baka par rapport à la divorce. Divorcé, il a engrossé une femme à ses morts. Le frère Roger Baka n'est pas divorcé. Maman. Car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Pourtant, dans le WhatsApp, dans le YouTube, on voit des images des gens à qui on montre leur bébé qui les ressemble. Il faisait le check-check. Moi, nous t'avons dit, il faut ça, c'est check-check. En fait, c'est une expression satanique. Je vais utiliser la méthode subliminale. Un homme qui parle toujours de Jésus à la troisième personne du singulier. Le culte n'est pas un endroit où on parle avec des démons. Il parle de Anouka. Si nous, on n'a pas de signe. En sortant du corps, il peut tomber aussi à l'église. Donc, il a passé la couille. L'église, on va chasser des démons. On va chasser des démons. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya luna zamye luna zamye luna zamye David na zamba ayebana kitoko kuma mukondima atako bapakola ki mafuta na musakoli lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien. Et donc chaque dimanche sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. En accord avec 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit... Montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur, de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien aimé dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. A vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu, et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel, et recevoir ainsi au travers de cette prédication, l'héritage afin que tous les sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai dit à celui qui avec qui s'entend, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu des Juda, le prince de paix, Adonai. Je vous salue au nom merveilleux et aussi bienvenue sur le 3W, le Nazaréen TV.com. On est en train de dire que c'est votre site, c'est notre site ainsi
qui édifie pas mal des chrétiens qui sont partout dans le monde entier, toujours moi, la vôtre, la humble servante de Dieu, la princesse de l'éternel, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Dans cette émission Table et Sainte, je dis souvent que c'est une émission pour vous, pour nous et beaucoup plus pour les hommes de Dieu autour des thèmes très importants, c'est très capital. Ayez la joie parce qu'aujourd'hui c'est chaud dans le Seigneur. Je reçois pour vous l'évangéliste Roger Baka. Benga, 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 batou. Parce que l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent adorer le Seigneur en vérité et en vérité, surtout en esprit. Je rentre rapidement à la régie, prendre un élément pour glorifier notre Père et on se retrouve tout juste après. Merci. De tout cœur, je dis merci beaucoup à tous ceux-là qui sont branchés en ce net moment sur le www.nazareyentv.com. Nous sommes en famille, comme je dis souvent que Mubaya Mungokoa, Pima Pendouyangu, Nabatoto et France, Ikona Panda, Ikona Panda, Ikona Panda, Ikona Panda Sana. Parce que Jésus est ressuscité parmi les morts. Hosanna, comme dit mon invité, à celui qui a conquu ce monde, à celui qui a vaincu Satan, c'est le prince et les principautés de ce monde. Je disais tout au début de l'émission, je reçois l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, c'est lui mon invité du jour. En tout cas, ça sera chaud, je vous dis, je vous rassure que ne zappez pas pour ne pas monopoliser la parole. Je regarde déjà mon invité pour dire shalom, bonjour, Hosanna. Hosanna, Hosanna, merci à toi Tiffany. Hosanna à celui qui vit éternellement. Amen, amen. Il a dit au nom de mon avènement et de mon royaume, prêche l'évangile, insiste à toute occasion, favorable ou non, car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Mais toi, fais preuve d'un bon évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, nous allons aujourd'hui permettre à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde à comprendre que il y a des gens qui font de l'évangile l'objet des gains. Financés par la franc-maçonnerie, des Illuminati ou de la Rose-Croix, tout cela dépend des signes qu'ils utilisent. Nous allons dévoiler par des signes et nous allons montrer aux gens à savoir que lorsque je vois ça, que je quitte. Parce que la Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là, car la colère de l'Éternel s'abattra sur eux. Comme dans l'Ancien Testament, il y a eu des faux prophètes. Il y a eu des faux docteurs. Même dans la Nouvelle Alliance, il y a leurs correspondants. Nous avons des gens qui suivent la doctrine de Balaam. Nous avons des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce au travers le Nazaréen, à travers sa servante, que nous puissions être reçus pour en fait éclairer les yeux des enfants de Dieu et leur dire, quand l'Esprit t'avait dit de quitter cet endroit-là, pourquoi avais-tu douté? Voilà la raison de mon existence aujourd'hui. Merci, la Bible nous dit que la nature doit vous enseigner. Eh bien, la nature nous a enseigné beaucoup de choses. Bientôt là, nous allons illustrer des images que vous allez regarder. Mais avant tout, je voudrais rentrer un peu dans la illustration, dans la question, ma petite question. Comment ça a été l'émission de la fois passée? Wonderful, parce que les gens ont appelé, ils ont glorifié le nom de Jésus. Hosanna. Mais il y a aussi des ceux qui prennent le goût à nous insulter. Nous prions pour eux afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que si Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité, beaucoup ont crié en lui après sa mort. Donc nous ne faisons pas ministère de notre propre personne. Nous ne venons pas nous recommander. Nous n'avons pas besoin de célébrité. Nous n'avons même pas besoin de l'argent, ni du succès. Nous remplissons le mandat, car il nous a dit d'éclairer et d'ouvrir les yeux des peuples de Dieu. Il a dit dans Ephésiens 5, 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres.
mais dénoncez-le, car il est honteux si on vous dit ce que ces gens-là font en secret. Le monde ne sera pas détruit, Tiffany, par des gens qui font le mal dans l'évangile. Mais le monde sera complètement détruit par nous qui apprenons ces mensonges, avons l'intelligence de Dieu et nous refusons de dévoiler les choses. Et donc, c'était une très belle émission. Je remercie tous qui nous ont appelés. Je remercie tous qui nous ont suivis et tous ceux qui ont commenté et qui ont partagé avec les autres. Voilà qu'aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, pénétrer la vallée de la révélation pour sonder. Parce qu'en réalité, tout ce monde-là qui est œuvre dans les ténèbres, ils n'ont qu'une seule crainte. Les infiltrer pour dénoncer ce qu'ils connaissent. Et révéler en plein jour les choses qu'ils cachent. Ça, c'est d'un homme. Messages subliminaux. Messages ésotériques. En accord avec la parole de Dieu qui dit, dans Matthieu chapitre 7, le verset 15, je paraphrase. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire au travers l'image que nous avons amenée aujourd'hui. Vous verrez des fruits qui sont en fait des signes, qui ne sont pas des œuvres. L'œuvre est différente des fruits. Le fruit est attaché à l'arbre. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc on reconnaîtra un franc-maçon par des signes franc-maçonniques qu'il fait. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, ma sœur. Oui, j'aimerais dire à tous ceux-là qui ont commenté l'émission de la fois passée, Bisotoro Kangamunorote, donc moi, la princesse de l'éternel, je ne m'étairai point parce que tu as écrit des choses. Non, moi je vais faire mon travail de dévoiler toujours l'œuvre de l'ennemi. L'autre fois j'étais chez la maman de 666. Aujourd'hui je suis devant vous, pasteur, que vous me suivez en ce net moment. Je suis devant vous pour vous dire que Jésus revient bientôt. Mais avant tout, je suis devant l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Bakar et Thomas P. Il y a une maman qui a commenté l'émission de la fois passée en disant, et lisons un peu Marc 5, verset 9. Marc chapitre 5, le verset 9. Voilà. L'évangéliste Roger Bach est en train de nous expliquer que Jésus n'a jamais parlé avec les démons. Or, okay. La maman a dit que la certitude, tu avais raison. Pourquoi tu n'as pas parlé? Il fallait insister. Lisons un peu. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans Marc chapitre 5, le verset 9. Je paraphrase. Okay. Je commence par le verset 8. Quand Jésus lui disait, esprit mauvais, sors de cet homme. 9. Jésus demanda, quel est ton nom? Voilà. Je m'appelle Légion. Lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Voilà, donc le jeu des questions et réponses. Ah, donc le problème se trouve au niveau des jeux des questions et réponses. Voilà. Non, mais le problème ne se trouve pas là. Le problème, ce n'est pas au niveau des jeux des questions et réponses. Le problème se trouve au point où nous ne sommes pas à l'église. Jésus est en train de délivrer un démon dans la ville, pas dans la maison de l'Éternel pour faire les jeux des réponses. Donc il faut bien dire ce que vous dites. Jésus, le culte, c'est pour célébrer le nom de Jésus. Ok. Le culte n'est pas un endroit où on parle avec des démons. Et si tu crois que c'est un exemple à suivre, as-tu vu Jésus-Christ amplifier la voix de cet homme-là pour que tout le monde l'entende? Mais il y avait des gens qui avaient... Il n'y avait pas de gens. Ici, lorsque tu lis, tu verras plus fort que les démons. C'est le thème. Ils arrivèrent dans l'autre côté du lac, dans la région de Gadara ou de Gerasa. Ça veut dire qu'il était seulement avec les apôtres. Il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour donner l'enseignement, non pas aux brebis. C'était la période académique de la formation des apôtres. Jésus a mené les apôtres de lieu en lieu pour les capaciter par rapport aux épreuves qu'ils verront dans la suite des temps, afin qu'ils sachent comment s'y prendre lorsqu'ils seront là. Ce message n'est pas adressé aux brebis. Donc ce n'est pas annoncé aux brebis. Donc en d'autres termes, même si c'était ça, sommes-nous à l'église? Est-ce que Jésus est à l'église lorsqu'il chasse les démons? Mais nous, on dit des choses qui ne devaient pas se faire pendant le culte. Le culte est donné à Dieu. Et sacré aussi. Sacré, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas profaner le nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas donner place aux démons là où on glorifie le nom de Jésus. Je pense que l'évangile s'est projeté aussi pour faire voir aux gens, au peuple de Dieu, que Jésus est en train d'agir jusqu'à nos jours. Il agit jusqu'à nos jours. Ce qu'il a fait. C'est bien, Tiffany. Tu sais, en réalité, ces gens-là profitent de quoi? Ils profitent des Écritures pour changer le sens des Écritures. Jésus n'a pas posé la question aux démons. Tu étais dans le temple. Il y avait une femme qui était bossue. Tu avais vu Jésus parler avec le démon de bossue. Dans le temple. Il a fait un miracle dans le temple. Il a dit, afin que vous croyiez que je suis le fils de Dieu, femme, sois guérie. Dans le culte, on démontre la suprématie de la puissance de Jésus-Christ sur toute chose.
Mais et donc la femme, oui. Encore une fois, tu viens de te tromper. Jésus n'a pas fait le jeu des questions-réponses avec les diables dans les temples. Dans les temples, il prêchait la bonne nouvelle de notre Dieu, de Jésus-Christ. Mais je pense que ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas regardent néanmoins tes émissions. J'ai béni d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Dieu est en train de nous pousser à parler davantage au travers de l'adversité. C'est lorsque les gens nous posent des questions pareilles que nous revenons pour les éclaircir. Et il a parlé avec les démons dans la ville de Gadara. Okay. Il n'a pas dit nulle part, faites ceci en mémoire de moi, commencez à interroger les démons à l'église. Ce n'est même pas une recommandation. Aussi, d'habitude, il ne faut pas... Et donc, comme je suis là, je peux me retrouver ici sur Barumbu. Je retrouve un démon, je dis, toi qui es-tu, libère cet homme. Il écrit, je suis légion. Ça se limite là, dans la vie. Mais dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Mais c'est une question aussi d'Hosanna qui fait troubler les gens. Hosanna. Parfois, ça peut être aussi un cri diabolique pour toi, mais pas pour la Bible. Maintenant, c'est à chaque fois, Hosanna, ça devient habituel. Mais la Bible dit Hosanna à celui qui vient en nom de l'Éternel. Nous rendons gloire à Dieu parce que maïe notre Hosanna en haut, tes yeux en haut, la maïe la classe était. Tant que ce soit Hosanna, tes yeux en gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est ce que nous refusons à chaque fois d'écrire, à chaque fois d'écrire. Ça, ce n'est pas des cris, ça c'est la louange. Ça, ce n'est pas un cri, bien-aimé. Je vais te montrer les cris ici. Tu vas voir un prédicateur ici. Vous savez, les gens qui chassent les morts en dehors de ce qui est le nom de Jésus-Christ. Moi, quand je dis Hosanna à Jésus-Christ, je dis gloire soit rendue à l'Éternel. Ça veut dire en d'autres termes, Ngaïté, Ngaïna Bunga, Mutupamba, Putulula Kokufa. Avi habite à Libéla, la Libéla. N'a copé par le col de la Mbé Baka. Mais yé, à copé Baka jamais. De génération en génération, il reste hein, Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, que tout le monde dise gloire à l'Éternel. Avant de rentrer à la régie, rapidement, je m'aurais posé la question à l'évangéliste Roger Baka. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commis. Donc, je suis allé à l'évangéliste Roger Baka. Pour ne pas être là, ah non, la certifanie, bah, ça va être l'évangéliste Roger Baka. On va combattre les communes de tout. Non. Tout ça, on a pour défendre à ce que les anti-valeurs et vandaté dans une église. L'évangéliste Roger Baka, les gens nous ont écrit en disant que, quand bien même que vous aviez dit l'autre fois que. Nous sommes ici pas pour évangéliste Roger Bach. Nous ne parlons pas de la vie de l'évangéliste. Nous parlons des Écritures. Mais néanmoins, les gens nous ont écrit. Demandez un peu l'évangéliste Roger Bach par rapport à la divorce. Oh, mais je suis avec toi ici. Mais c'est ce que les gens nous ont dit. Ben, je suis avec toi ici. Mais on nous a demandé. Oui, mais répondez-les. Répondez-les. Par rapport à la divorce. Répondez-les. Roger Bach est marié. Pourquoi vous cherchez à connaître sa femme? Pourquoi vous cherchez à connaître ses enfants? Vous voulez les identifier? Parce que vous aussi, vous voulez connaître la vie d'autrui. Jamais de la vie, je me suis mis devant la chair pour parler d'un homme. Moi, je parle de Jésus-Christ et de Nazareth. Le mariage des autres ne me concerne pas. Les enfants des autres ne me concernent pas. Mais si tu viens dire des choses que l'évangile n'a pas dit, tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth sur ton chemin. Je vais te donner une stratégie. Tu sais, dans les techniques de combat, si on n'arrive pas à pénétrer ta vie, on va chercher à connaître ta famille. Ça dit quelle est ta femme, à sa rendez-vous, tout le monde à sa rendez-vous, pour tout ça, tu dis, tout le monde va attaquer. Allez, demain, on dirait, non, on a vu la femme de Roger Baka, elle est prostituée. Demain, on dirait, non, on a vu la femme de Roger Baka, quand elle est là-bas. Et demain, on dirait, on a vu l'enfant de Roger Baka faire cela. Non, celui qui est appelé au mandat, c'est moi. Non, le frère Roger Baka n'est pas divorcé. Maman. C'est ce que les gens nous ont dit. Donnons gloire à sa majesté. Mais pourquoi vous voulez laisser le créateur pour vous attacher à la créature? Je ne suis qu'un simple instrument de l'Éternel. Les techniques de combat font que, hier, il a volé une parcelle. Après, on entend la parcelle voler, le propriétaire ne parle. Oui. Le lendemain, il est à Makala. On attend en prison pour chercher Roger Baka, il n'est pas là. Le jour qui suit, divorcé, il a engrossé une femme à Selemba. On attend la femme là de Selemba. Avec le bébé. Elle ne vient pas avec le bébé. Mais pourtant, dans les WhatsApp, dans les YouTube, on voit des images des gens à qui on montre leur bébé qui les ressemble. Moi j'attends les miens, je ne vois pas. Merci. Voilà pourquoi j'ai dit. Okay. Même les gens qui sont en train de vouloir attaquer ma vie, leur propre pasteur leur dit. Mais toi tu ne connais pas les erreurs que moi j'ai fait dans la vie. Toi quand tu veux parler des erreurs de Roger Baka, s'il se permettait de commencer à parler de nos erreurs, vous croyez vraiment que nous allons encore prêcher l'évangile? Non. Chacun a ses faiblesses. Chacun a son passé. Je ne parle pas de vases, de terre. Qui connaissait l'ablution rituelle qu'on purifiait par le main. Jésus-Christ est venu, il a purifié tout le monde. Okay. Le vrai problème ici, c'est que l'évangile au Congo a été détruit par des pères spirituels qui viennent de l'étranger. Et maintenant, notre rôle,
c'est de dénoncer toutes ces choses-là. Si quelqu'un pense que Roger Baka n'est pas parfait, je suis le moindre de tous. Je n'ai rien à voir avec la perfection, mais j'ai reçu le mandat de l'Éternel à l'accord avec Actes 26 et 16. Et j'ai dit à quelqu'un qui me suit à la maison, l'Éternel va te susciter. Même toi qui parles de moi aujourd'hui, Dieu va t'utiliser comme témoin demain pour que tu dises, moi aussi, j'étais parmi ceux qui incitaient le frère Roger. Nous avons des gens qui nous ont incités, qui nous se sont repentis. Est-ce qu'on va suivre cela? Non. Si aujourd'hui ce n'est pas Roger Baka, demain ça sera Tiffany. Ok. Si demain ce n'est pas Tiffany, quelqu'un d'autre apparaîtra, ça sera lui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de faire l'unanimité, mais nous avons besoin d'éclairer le peuple de Dieu à comprendre les écritures. Je pense que vous aviez compris, parce que tout est codé. Parfois Jésus parle aussi par de paraboles. Donc je pense que les élus, c'est là qu'ils savent comprendre les choses. Ils ont déjà compris quelque chose. Mais tu me permets de revenir sur Marc 5. En fait, dans Marc 5, bien aimé, toi qui me suis à partir de la maison. Dans Marc 5, Jésus fait donner des enseignements aux apôtres. Okay. Rapidement, s'il vous plaît. Le premier, il est plus fort que les démons. Voilà pourquoi il affronte le fou des Gadara. Le deuxième, ça commence vers le verset 21, toujours de Marc 5. Il montre maintenant que Jésus, il est plus fort que la mort. C'est là où il va ressusciter des gens qui étaient morts. Et donc ne prenez jamais cet exemple pour le contextualiser dans le cadre de l'exercice du culte. Dans l'exercice du culte, le micro ne sera jamais donné au démon. Pourquoi? Parce qu'en accord avec Jean 8, 32 jusqu'à 44, le diable est le père du mensonge. Il n'a pas la vérité en lui. Et lorsque quelqu'un sous la possession démoniaque, il crie, Nakaï, Natatanaï, Namamanaï, en vertu du verset qui dit que le diable est le père du mensonge. Pourquoi croyez-vous à ce que cet homme la raconte? C'est une technique satanique empruntée par le monde occulte pour venir détruire le culte au lieu de célébrer le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au lieu de célébrer le nom de Jésus-Christ, retournons un peu à la régie, prendre l'élément si possible et on se retrouve tout juste après. C'est la base de notre émission d'aujourd'hui. Kaozana, c'est lui qui est le plus haut, plus haut, plus haut. Je pense que c'était m'a fait plaisir à tous ceux-là qui nous suivent en ce net moment et beaucoup plus les enfants de Dieu, les élus. Et évangéliste Roger Baka, nous avions suivi ces vidéos. Ouais, merci beaucoup, ma soeur. Si vous lisez Ephésiens chapitre 5, le verset 11, nous donnons cette citation pour vous montrer que nous avons reçu mandat de démasquer ces gens. Ephésiens? Ephésiens chapitre 5, le verset 11. Je vous lis la version Semeur 11. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-le plutôt, car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais si vous venez dans la version Scofield,
Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais dénoncez-le, car il est honteux si on vous dit ce que ces gens font en secret. Mais la version seulement va plus loin pour donner cette explication, Tiffany. Il dit ceci dans 5:11, démasquez-le. C'est-à-dire tout chrétien, il n'est pas sans responsabilité face aux ténèbres. Tout chrétien a une responsabilité face aux œuvres des ténèbres. C'est quoi? C'est de les démasquer. Démasquer signifie quoi? Enlever le masque qui cache le vrai visage de ces hommes. Ils vous présentent le masque. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des magiciens. Ce sont des kabbalistes. Des occultistes. Mais ils présentent le masque de l'évangile. Ils s'habillent comme nous. Ils transportent la Bible comme nous. Mais le rôle du chrétien, c'est de démasquer, d'enlever le masque. Comment nous allons enlever le masque? En accord avec Matthieu 5, le verset 15 en bas, la Bible dit « Tout arbre bon portera des bons fruits. » Le fruit, c'est quoi? Ce sont des gestuels. Ce sont des choses qu'ils font pendant la prédication. Ils sont obligés de faire le salut satanique. Regardez ces DVD, oui, on se retrouve tout juste. Non, on a déjà regardé. On continue. Encore on a regardé, voilà. Puisque vous avez vu, regardez. Oui. Premièrement, c'est le salut satanique. Voilà. Tu vois des serpents. Voici les autorités qui font des saluts sataniques. Ouais. Aussi appelés Manu Cornito. Vous voyez toutes les autorités politiques, pourquoi? Parce qu'ils appartiennent aux pyramides de la franc-maçonnerie qui est le premier symbole. Et voici le salut satanique. Ça, c'est les autorités le font, pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle en français allégeance à Lucifer. Lucifer qui signifie l'ange des lumières. Donc il y a aussi des prédicateurs, au lieu de parler de Jésus-Christ, ils parlent de Hanouka. Maïkari, ils parleront de quoi? La lumière sur la lumière. Et Kanka, ils te parleront de Dieu, de lumière. Mais pourquoi vous êtes attaché aux lumières? Parce que l'expression lumière, c'est une expression masquée. Lorsque nous les démasquons, nous comprenons que le diable est appelé Lucifer, ange de lumière. Voilà pourquoi les prêtres jésuites, entre guillemets, Adam Weishaupt, le 1er mai 1776, il va réunir toutes les magies du monde entier pour les fabriquer un seul, qu'on appelle la confrérie des illuminés. Donc, c'est-à-dire la confrérie des Illuminati, des Lucifer. Ils aiment le langage lumière. Mais vous les reconnaîtrez aussi par les fruits, c'est-à-dire pendant qu'ils prêchent, ils peuvent poser une gestuelle. Ces gestuelles-là, c'est la salutation à Lucifer. Voilà pourquoi tu verras tout ce monde-là. Okay. Si nous rentrons là-bas, tu vois. Est-ce que l'évangile sur Jébaka, tous ces signes sont bibliques? Non! La Bible a interdit les signes. Voilà pourquoi Jésus, dans l'Ancien Testament, on a dit, vous n'aurez aucune représentation de moi. Si Jésus a refusé qu'il y ait des représentations sur lui, c'était pour éviter justement le diable qui copie facilement. Il peut faire la contrefaçon, et la contrefaçon fait que le discernement parmi les peuples de Dieu sera difficile. Plusieurs le suivront dans l'ère des règlements. La Bible ne connaît pas de signes. Nous, on n'a pas de signes. Oh non, le prédicateur, il est là. Et même les habits du sacerdoce, les effondres, les pectoraux. Au moment où on a passé l'église de réveil, avec le Mélanie Lobby, dans la Kabaka Théatoge, il y a l'église catholique, oh l'homme, oh la boyaka, il y a mon protestantisme. Parce que ça s'appelle la magie par le code vestimentaire. Regardez là. Ce que vous voyez, c'est la pyramide. Pyramide, elle est séparée en deux. Partie à l'icolo, l'œil. Voilà. Ma pyramide à Nicolas, c'est la conférence des États-Unis d'Amérique, à qui appartient cette connaissance. Au moins, la lumière, moi, je ne m'en passe par là. Mais la partie d'en bas inférieure de la pyramide symbolise le peuple, les églises. Ils sont nombreux soumis. Ils ne connaissent pas cette histoire-là. Mais à partir de cela, on conçoit les églises comme des bétails, des troupeaux de moutons dociles sans cervelle. C'est-à-dire que vous êtes déjà livrés à Lucifer. Vous les reconnaîtrez par ces gestes-là. Si vous voyez un pasteur, sortez. Pendant que je parle, sors directement. Mais évangile, c'est Roger Mbaka, il faut vous tenir compte. Il y a des erreurs, inconsciemment. Mais vous hâtez. Moi, je connais des choses qui, les gens, je connais les gens qui ont dit au Congo qu'ils avaient fait, ils avaient fait cela par hasard. Mais on leur a demandé d'enlever, ils n'ont jamais enlevé. Il y a aussi une question à poser. Tout le monde a des autorités. Il y a des Mindele, il y a des Européens, il y a des Américains. Mais il y a des gens qui sont africains. Si. Et surtout les hommes de Dieu. Congolais. Congolais. Oui, mais vous les reconnaîtrez par leur serve. Il n'y a pas de. Bah, se reconnaître. Maintenant, il y a la reconnaissance par l'enseignement. Qui est contraire
à la voix de l'Éternel. Si quelqu'un d'autre vient vous prêcher le contraire de ce que Paul a placé comme fondement, qu'il soit anathème. Parce que Paul a posé des fondements. Par exemple, la sortie des corps. Karambiri, le frère de l'ICC, Yvan Cassiano, avec un prédicateur congolais. Pendant que je te parle, retiens cette date, ils sont en France. Karambiri dit quoi? Karambiri dit que je sors du corps et j'entre dans les maisons des gens. Ça s'appelle quoi? Voyage astral. Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Ils ont démontré que Paul aussi. Écoutez, Jean, à mes mamans qui ils ont des versets bibliques comme ça. Oh, bah, on pousser bah, argument. Tout est dans la Bible. La Bible nous a parlé de tout sauf rien, l'homme de Dieu. Ok. Vous savez bien, aimé dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. De tous les 12 apôtres de Jésus-Christ, le seul qui est mort d'une mort naturelle, c'est Jean. Les restes étaient martyrisés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous vu la coupe de Jésus-Christ. Cette coupe symbolisait la colère de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons sur l'ombre et la réalité. Maintenant, Paul, quand on a trouvé les yeux, on l'a jeté dans l'île de Patmos. Tu vois, les yeux étaient troués. Paul des gens, c'est ça. Jean. Voilà. Excusez-moi de dire à Paul. Jean avait les yeux troués. Les yeux troués, il ne pouvait plus voir. C'est la raison pour laquelle Jean dit qu'il fut transporté. Pourquoi? Parce que les yeux ne voyaient pas. Ce n'est pas qu'il est sorti du corps, non. C'est tout simplement, ayant les yeux troués, Jean avait pris la perception de l'œil. Et l'Éternel Dieu l'enseignait en esprit. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix sanctifie tout votre être entier. Ça veut dire que l'homme est constitué de trois grandes parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps a cinq facultés. La vue, l'odorat, l'ouïe, Le goût et le toucher. Mais les organes du corps peuvent mourir. Cela n'implique pas la mort des facultés de l'homme-esprit qui a comme faculté l'intuition, la communication et la conscience. C'est-à-dire que malgré que les yeux de Jean étaient troués, cela ne l'a pas empêché d'entrer en communication avec Dieu en esprit. Hosanna. Ces gens ici tombent comme des petits garçons dans les enseignements. C'est la raison pour laquelle tu verras bien aimé dans le Seigneur. Ils vont vous susciter des histoires. À cela, ils vont trouver toujours la base des Écritures. Et nous, nous allons les démasquer sur une base des Écritures. Et vous allez insister aussi. Et nous insistons que, bien aimé dans le Seigneur, la sortie du corps n'est pas possible. Ça ne se fait pas, tu risques de tomber dans. Surtout ces derniers temps qu'il y a des embouteillages dans les rues. Si par exemple, en sortant comme ça spirituellement, tu tombes dans l'embouteillage spirituel, le temps de rentrer dans le corps, 3 jours après, on t'a déjà enterré. Elohim, toi, fais ça. Dans le nom puissant de Jésus, que celui qui est à la base de cet enseignement d'un voyage astral, au nom de Jésus, je l'appelle à l'atmosphère céleste, écoutez-moi, retenez-le la prochaine fois qu'il viendra là-bas, afin que le peuple sache qu'on ne se moque pas de Dieu et que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas dans les Écritures, mais ça s'appelle quoi? C'est le nuance du gnosticisme. Il faut nuancer plutôt. Ouais. Il faut nuancer. Ça peut se faire une fois. Non. Accepter. Ah non. Ah non. De ce que Dieu était capable de non, faire. Non, on communique avec Dieu tout en restant sur la terre. Si nous devions sortir du corps, Jésus n'avait pas besoin de venir en chair. Quel est le jour où Jésus est sorti du corps? Quel est le jour? La Bible dit que le Fils de l'homme ne faisait rien qu'il n'entendait dire au Père. Il parlait avec le Père comment? Par la prière. Par la prière. Et cette prière ne consiste pas aussi en des pratiques telles que je suis là, je vais me déplacer, que personne ne me touche. Oh. Ces gens-là, ils savent. Demandez-les. Quand ils sortent du corps, on ne peut pas les toucher, c'est une condition. Mais c'est qui? Voilà. Moi, ce n'est pas fini. En sortant du corps, il peut tomber aussi à l'église. Bon, moi, il y a un pasteur à Kouyi. Église, venez me chasser par des mots. Or, moi, chasser par des montées. Batouba vanda kanaye. Bah, il y a payé sa condition, sauf à quoi il ne va pas m'assim baïdi. Bien au moins, je te permets, quand tu verras le pasteur tomber, toi, va le toucher. S'il va revenir encore. Avant même que tu le touches, tous les protocoles qui sont des initiés, ils vont t'empêcher de t'approcher de lui. Va même chez les occultistes qui pratiquent la magie dans Babylone la Grande. Ils sont nombreux ici, en Binza. Monte vers Météo. Non, on a pas Sakuna. Avant Bima, à Zorabatuna, la tibon va noir, va encercler.
mais Moutassi Mbayete, donc il a là, le pouvoir de sortir du corps, mais à une telle condition que Moutassi Mbayete, parce que si Kakei sont aussi mis au perturbé rituel, le mal peut arriver, soit il peut devenir fou, ou soit il peut ne pas rentrer dans son corps. Et si Kamim va peut-être la condition dans la Bible, sortez du milieu du enseignement de la franc-maçonnerie. Merci. Est-ce que toutes ces choses sont vraies ou bien ce sont des choses pour grimancer ka biso? Bah. Et si quand ba mona ba ok azalia wa kuna pe ba bengi biso ke azali. Alors ce que d'abord aussi tel est le cas. Pourquoi va se voyager? Pourquoi va se voyager? D'abord là ba foot en bon là ba air checking na ba. Mais il fallait qu'il voyage comme ça. Fallait pas qu'il n'a qu'à. Ah pour moi après il m'a mon en France. Ah ouais. Comme ça ba avion ça dit faillite. Ah. Biso se doit sous ba billet. Tu vas demander à pasteur, toi prends l'argent. Fais-moi quitter ici et je tombe en France. Ça n'existe pas. Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il n'a pas fait le voyage astral. Il est entré dans le corps d'une femme. Afin que soit accomplie la parole de Genèse, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Donc Joseph n'avait pas de semences à donner à Marie de par le livre de Genèse. Ce n'est pas quand Marie est devenue la femme de Joseph que cela s'est fait. Genèse avait dit, bon, que c'est le cocotte entre la postérité à moi-ci. C'est-à-dire que Joseph, il ne fallait pas voter à Jésus. Mais Jésus a voté à moi, maman. Pourquoi à cela qu'il voyage astral? Pourquoi vous imitez le voyage astral? Imitez aussi l'ascension. Parce qu'il était monté comme ça, la pesanteur n'a pas pu le retenir. Hosanna à l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ont imité le voyage astral. Parce que moi, j'ai un salaire. Dit qu'un prophète. Parce que vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais Jésus-Christ est à la pierre, hein, angulaire. Monte maintenant dans ton église à Bandel là-bas. Monte à ton église à Balimete. Mata, total aïe. Mais je te préviens, hein, ne monte pas plus haut. Parce que la douleur de la cassure est proportionnelle à la hauteur que tu auras pris. Faites attention, bien aimé. Merci beaucoup. Moi, je vais vous dire que attendez. Nous sommes avec Mathias au Monanzambe. À son Marasugané. À Boukana Makolo. Et nous, nous lisons. Cieux, écoutez-moi. Lune, écoute-moi. Soleil, astre illuminé créé par mon Seigneur, écoute-moi. Afin que ce peuple sache qu'on ne se moque pas de Dieu. S'il te plaît, Adonai, bloque l'un de l'heure. Là où il partira, que tout Kinshasa apprenne. Que toute l'Europe apprenne. Que tu es Dieu. Que toi tu es Dieu. Hosanna à toi, Éternel. Merci beaucoup, évangéliste Roger Bakato, en nom de Bassigne, prenons un peu ces. Tu vois par exemple ce, oui, oui, ce signe-là qu'elle a fait. C'est le V. V. Hein? Oui. Ça signifie la pyramide. Voilà pourquoi, dans le micro, comment ils changent, hein? Ce sont les gens qui changent de stratégie. Des stratégies, des techniques. Ah, tu vois, ils sont venus avec une photo bientôt, les Américains, que les jeunes adorent beaucoup. Ils faisaient le check-check, check-check. Moi, nous t'avons dit, il faut ça, c'est check-check. En fait, c'est une expression satanique. C'est une salutation à Lucifer. Oui. Voilà, ces signes-là, c'est pourquoi tu vois, il y a un catcheur américain, qui d'ailleurs, que les gens connaissent beaucoup, il s'appelle John Cena. Oui. Lorsqu'il entre dans le ring, il salue sa confrérie avec la musique rock and roll. Bam, bam, bam. Alors, il donne le salut satanique. C'est-à-dire, il montre au diable que je reconnais à ton sponsoring. C'est comme ça que ça se fait dans les sponsoring. Oui. Lorsque un sponsor te sponsorise, il faut que soit tu portes son habit, avec la mention écrite, ou soit que le produit soit présenté sur le plateau. Okay. C'est fait, cela se fait aussi spirituellement. Lorsqu'un prédicateur est soutenu par l'occultisme de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, c'est le pyramide comme ça, et tellement. Ouais. Mais de la Rose-Croix, ils ont renversé. Okay. Au moins, la pyramide. Il y a un moment, Nicolo, la magie par le code vestimentaire. On est longuana. Oh, Rianat. Abombe longuimo bonne. Il y a un moment, la bengi, l'œil qui voit tout. C'est la publicité. Beaucoup de gens ont eu un modèle de chevelure ici. C'est des all seeing eyes. C'est ce qu'on appelle la magie par le code. Elle transmettait un message. Je suis de la confrérie des Illuminati de l'œil qui voit tout. Alors, il y a aussi le chiffre 666 que les gens estiment que la publicité, aux hommes, on a trouvé cette publicité à celle du signaux. Oui, oui. C'est le trois doigts là, avec les zéros. Le premier doigt, c'est le premier 6. Le deuxième doigt, c'est le deuxième 6. Le troisième doigt, c'est le troisième 6. Cela signifie que la confrérie des Illuminati de la franc-maçonnerie, Bazawana, est à la pasteur Moutassayango, quand tout était bien aimé dans le Seigneur, est à la musicien chrétien, quand tout était, le monde est arrivé à la fin. Lucifer se manifeste dans toute l'iniquité. Avant Marie-Souzouté. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka, et ça qui est un peu devant, débat plutôt, l'homme de Dieu, mon corps, lorsqu'on peut s'exemple, bien bon, attends à Saliboué, Salini, attends à Saliboué, et est-ce que, mais à pratiquer à moi, Sali, exemple. Ésotérisme, exemple, ni.
C'est une ésotérique. Mais moi je sais pour ça là, Yango. Là, on a la démission, là, on a la démission. Ah, oui, qui a un bien. Mais quand on a une méthode de didactique, il y a une salle à ressusciter. Pour la maman, on a un petit temps dans une salle de l'eau, là, il y a une salle à ressusciter. Il y a une salle à image, Yango. Il y a une salle à te, Yango. Mais après, on a un peu de Rihanna. Rihanna, c'est la clip, mon coboye, il y a Médusa. Ah, il y a une salle Azoyemba, na uti na sena mai, na zobi mbona kwa kwa molimu na yo, na kota na mbona sena mai. Ake na molimu wanapu, ame mbona pa Medusa, Medusa nani? Eza mutu ya versas? Owa mbona bate, owa na te 0, 666, owa pesi sali korni. Wosa kana na mapredikatera amerikane te, fete attention kakile zanglofan, nama na Afrique du Sud, nama na Angola, an Angleterre, aux États-Unis, a Londres, a, mbona mboka wana, framasoni neze kwa kokoko. Prédicateur à cause d'un prédicateur, mais attendez, vous avez franc-maçonné. Mais bon, juste, je vais pas quand on a quatre églises, un bassinier ou écotipé dans quatre églises, tous en ont un pasteur, une distribution, une image à un pasteur. Naïna la Kisayo, image à un pasteur, des pasteurs qui sont les pasteurs responsables des grandes églises aux États-Unis, mais qui sont les pères spirituels, il y a un pasteur qui sont à Congo. Oui. Ah, tu sais pourquoi on n'a pas cité le nom des pasteurs ici au Congo? Parce que pour la simple raison, ils sont devenus des pasteurs juristes. Comment je vais te traduire en justice. Hein? Si tu fais autant que moi, on traduire en justice. Oh, mais non, le moment qu'on voit, ce moment où on va contredire, passe à la télévision, dis que ce que j'ai dit est faux et montre les images parce que moi j'illustre tout ce que je suis en train de dire. Hein? Je donne des versets bibliques, ce que je prends dans la Bible. Si vraiment je dis quelque chose de mauvais, si vraiment tu penses que je fais quelque chose que toi tu dis que c'est faux, mais illustre à la télévision le contraire de ce que j'ai dit parce que moi je montre des faits. Ça, on appelle ça des arguments d'autorité. Ma père spirituel, il y a ma pasteur na biso awawa. Donc bah or la Bénin. Bénin, voilà, entre autres, bah le bique tel père. Comment tu comprends tel fils? Si quoi bah tata na bango to la nana ba papa na bango. Soyez tata na kisi. Voilà. Yo le bina biso que yem ta pesa ki onction. Onction, voilà. Onction il n'empêche parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Amen. Soyez Kenneth Copeland na za franc-maçon. Dans le troisième degré. Bah enseignement na ba signe franc-maçonnique na ka ta prédication. Et que yo le bina maïke non a sa moutou ya ngaï la vidéo de papa. Yo m'a moutou le bina maïte. Que papa n'a pas qu'un autre plein. Un homme ne donne que ce qu'il a. Sérieux, ça n'a pas. Vous avez un maçon. Et puis, au-delà de l'okouana, on les reconnaît aussi par leur enseignement. Ils ont un enseignement qui est basé sur la richesse, l'accumulation des biens matériels. Ils ne parlent pas du péché en général. Tu ne verras jamais montrer au peuple comment marcher et vaincre le péché. Leurs enseignements tournent autour des double portions. Double portion de l'onction. On a dit, madame, le mystère pour comprendre les finances. Ah. Mais ça veut dire quoi? Vous nous avez un bon. Ils amorcent. C'est là lequel verset, non? Pendant qu'on le capte, verset, l'évangile se rejette par rapport à il y a un peu par rapport à A, 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 A. Ah, nous disons comment vous allez. Ça s'appelle message ésotérique par la prédication et par la chanson. Parler de Jésus-Christ sans le nommer. Ah oui, oui. Oh, mais t'as je vais utiliser la méthode subliminale. Sauf que moi, on est bimis. Qui m'a? Un homme qui parle toujours de Jésus à la troisième personne du singulier. Azalin Zambé, Akosala, Azamosungi. Avant de commencer avec A, il faut mettre en quarantaine un nom pour que nous nous référons à cela. Ça s'appelle dans les langages français la mise en quarantaine. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le roi des rois. Il agira dans ma vie. Il fera des grandes choses. Ah, ne bandez-vous l'alpha, toyez billet. Comme ça, Omega, tant aussi dans un mot, toyez billet. Mais oh, toyez billet alpha, toyez bandit. Le roi dans un mot, on a tiré A. Toyez kayango. Misguided. Toi, tu as un mot, toi, tu as un mot, toyez kayango. Au moins, on appelle ça une explication à Maloba. D'accord, là, nous sommes de retour pour que vous puissiez vous faire un peu. Donc, vous êtes masqué. Maintenant, vous êtes démasqué avec l'évangéliste Roger Baka. Pourquoi vous êtes yo, a, za, ye, a, kendaki. Comme moi, vous êtes masqué. Vous êtes masqué. Mais comment vous êtes masqué plus tard? Vous allez découvrir tout démasqué pour que vous puissiez vous faire un peu. A, na, yo, na, ye. Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'eau. Méga. C'est-à-dire que quand tu prêches l'évangile et que tu voudrais mettre le pronom personnel il ou en ingala a, l'alpha, ça doit commencer par le nom de Jésus-Christ.
Comme ça, nous tous, nous savons que quand tu as mentionné le nom de Jésus-Christ de Nazareth, encore une fois, pas Jésus-Christ. Christ. Ah, donc ne nous raconte pas Jésus-Christ. Jésus n'a pas crié. Jésus-Christ de Nazareth. Après, tu peux te permettre de mettre en quarantaine, mais il est difficile dans la Bible, surtout dans les livres, dans les évangiles synoptiques. Il est difficile dans Matthieu, Marc, Jean-Luc, au moins à Jésus, ou bien dans la tienne à il. Non. On a toujours Jésus-Christ dit. Jésus-Christ leur répondit. La Bible n'a jamais été fatiguée de répéter le nom de Jésus. S'il faut le dire 50 fois, c'est le même chapitre, on le dirait 50 fois. Mais l'ésotérisme veut dire quoi? C'est parler de Jésus-Christ sans le nommer. Le subliminal, c'est codé, c'est masqué à travers une lettre, afin qu'à la fin, les gens ne découvrent pas qu'ils étaient en train d'adorer un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 4, yoka bien. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Parce que quand tu as la carte à louange, quand tu as la carte à la prédication, l'adoration, sans attirer l'attention des gens, non, il y a le mot qu'on dit dans le monde de Lucifer, diabolique, satanique, avec des images qui prennent un douzième de seconde. Parce que si l'image est en train de se faire, et vous méritez, mais si on analyse l'image, et il y a un peu comme on a mal au bal au voilà, voilà. Ah, c'est-à-dire que dans le cinéma. C'est pour ça la même matière, c'est les cas. C'est pour permettre au cerveau de ne pas captiver l'image. C'est l'ésotérisme. C'est donc AA. Il. En anglais, him. Is. H-I-S. We're talking about him. He's going to do great things in your life. He shall save your life. He's the master. In the name of Jesus, we can rebuke every power. He. Pourquoi tu ne cites pas son nom? Oh, c'est de l'ésotérisme. C'est une façon de parler de Jésus sans le nommer. Mais quand tu parles de Jésus sans le nommer, tu tombes dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. C'est-à-dire ce qu'il dit. Dans l'église, il y a les initiés qui comprennent la signification. Les initiés sont là. Mais le monde et le reste sont considérés comme les bas de la pyramide. Qui sont des hommes sans cervelle. Donc on leur dit, dans la carpette, on te suit dessus. Si on a un batouana, attends la télémine à Dangui, comment tu n'as 4 habitants. Ce qui est même dangereux, il va m'insulter à cause de la vérité qu'il écoute. Pourquoi? Parce qu'il fasse des gens. On lui a déjà volé son esprit, on a donné à Lucifer. Ce qui reste pour lui, c'est Matthieu chapitre 7 à la fin qui dit, ce jour-là tu viendras devant moi. Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Il leur dira, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc dans les ministères, ce n'est pas la prophétie qui est importante. Ce n'est pas chasser les démons qui est important. C'est la conformité à l'authenticité des Écritures. Si toi, il y a un mot qui n'a au monde, il y a 4 églises qui sont d'État. Oh frère Roger, tu peux parler calmement, parle de sa cause. Parlez calmement. Bien, mais je suis comme ça. Quand je suis emporté par la présence du Saint-Esprit, en accord avec la Bible qui dit, je paraphrase, 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, Saint, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on a été fait à partir de la traduction du film nigérien. On a interprété, bien aimé, dans le Seigneur, dans 660 jours, interprété 660 films. Parce que là, ça a eu 4 ans, 5 ans. Dans le bac à chaque jour, corps de vocal et tikala et kouka. Donc, s'il te plaît, ne prête pas attention à ma voix, prête attention à la parole de Dieu. Non, non, mon tout pas. La mère, mon nom, était à Tiffany pour aller à la Kenya. Mais attends, Tiffany parle bien à Kenya. Yo, yo, la carte. Parce que yo, ça déjà déterminé au film la carte. Viens la mettre dans les erreurs. Si tu veux la chanson. Okay. Tu veux la chanson. It's crazy and it scares me. It. Troisième personne. Et ça fou, et puis ce bandit s'en va. I want him by my side. Encore him. Dans un apostat, il y a Pembe ni Nama. Flo. He's wild in his way. Encore is, not his. As a des autres ma voix, sometimes he played mad. Hermoko, Abel a galoua, m'ta komi di bouma. Mais j'ai besoin de lui pour me satisfaire tous mes besoins. I need him to keep me satisfied. Him, encore. Et I say, papa, don't cry cause it's all right. Encore une fois, papa connaît la terre parce que tout va bien. I see you in some of his ways. Na monyo, na lolenga banzela na yo. Banzela na ye. For his might, not give me. Il ne sait pas que après ça, il va nous cater.
the life that I want. Bon moyo ngana sana ko benga posa. Akoriska pesa ngakeba. I love him the rest of my life. Ngalingiye encore troisième personne. The rest of my life, s'il te plaît frère. Misguided angel, ange déchu, hanging over me, qui me tient par la main. Avant de faire sa précision. Hot like Gabriel Pio. Mon thème est le roi la pure à Gabriel. And white as ivory. Pembe le roi la ivoire. Mais nani moutouana. Ah, soul like Lucifer. Black and cold like piece of lead. Admissez ce que vous avez adoré Banaka. Lucifer. Mon livre est le roi la Lucifer. Mouindou, Pembe le roi la Kangarabat. Maintenant, ne bande de l'ivoire m'a quitté. C'est du cowboy junkies. C'est de la musique de barbares. C'est de la musique de désordre comme les rock and roll. A bandit musique, est-ce qu'il y a Kati? Non, c'est pas de la musique. Il y a de la musique. Voilà pourquoi, même dans la prédication, si quelqu'un se met à parler de il, ou soit, il prend un nom de l'Ancien Testament. Exemple, Melchisedec. Papa. Melchisedec, c'est quelqu'un qui n'a ni père ni fils. Mais il est l'ombre de qui? Il est l'ombre de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que Jésus est venu, pourquoi t'as-tu parlé toujours avec de Melchisedec? Au moins, on est technique. Au moment de la vie, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et l'Éternel, après avoir tout créé, il dit que tout était bon. Oh. L'année on va ramener les autres. Le col ensemble m'a créé qu'à Lucifer, à ça qui démonte les bambines. À cela qui remplaçait un homme dans l'adoration. Et donc, quand on va créer Lucifer, Lucifer, à cela qui bon, bon, tu vois là, tu es mon démon. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Comment tu veux ramener Lucifer au commencement alors qu'au commencement, il a détruit Adam? C'est à cause de lui que le péché est entré dans le monde. La nature s'est corrompue à cause de lui. Il y a moins d'ésotérisme, maman. Et ça, Moutou de quoi y a-t-il? Et puis même si quelqu'un te disait, Zambalou, le Dieu des cieux, ça veut dire qu'il a parlé de Dieu. Il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est l'atmosphère que nous sommes en train de voir. Tant que l'on m'a donné tout à l'heure, tu m'as l'eau là. Le deuxième ciel, c'est l'habitation des anges dessus. Oh la quitte, c'est pour pas votre main là-bas. La fin de la bavana, oh la kamaka, Daniel, la prière tant de la pendant 21 jours, les presses, les perses, ils sont là. Troisième habitation, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, lui, quand tu dis le Dieu des cieux, quel Dieu? Et maintenant, vous êtes content que nous puissions te dire. Non, si toi, tu ne veux pas nous suivre, laisse. Laisse. Tu as vendu ton âme à Lucifer. Mais nous, il y a encore des gens qui ne sont pas dans la Bergérie, en accord avec Jean chapitre 10. Ceux-là, ils entendront la voix de l'Éternel. Oui, mes brebis, la voix bacatée. Ils n'entendent pas la voix de Tiffany. Mmh. Ils entendent la voix de l'Éternel qui sonne comme des trompettes, leur disant, sortez du milieu d'eux. Leur revenu bien-aimé, l'Éternel Dieu veut susciter une nouvelle génération. Okay. Et après moi, il y aura des gens qui seront encore beaucoup plus perspicaces. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de m'attaquer. Même en Europe là-bas. Je vais vous montrer le prédicateur européen. Prenons le prédicateur européen. Ok, merci. Retournons à la régie. Papa Bakazo continue toujours pour commenter. Tout ce qu'il a eu. Tant, il y a A, il y a I, il y a O. Bah, donc, à chaque jour, chaque moment, chaque instant, le monde des ténèbres va travailler. Va changer ma technique. Voilà, donc, on va dire mon bon moine. Je voulais dire quoi? Et là, moi, je suis venu à Tiffany. Sauf qu'il y a 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Yo, ka bien. Ainsi, de maintenant, Kobandalilo, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette main. Là, on a bien monté ça très bien. Donc c'est honteux que quelqu'un vienne aujourd'hui pour vous dire Jésus dans son état physique. Jésus a son état physique. Hein? Jésus a revêti la troisième dispensation. Il a pris la forme du Saint-Esprit. Mais évangéliste rapidement s'il vous plaît. C'est comme si balakabatu, menakabatu, parce que intellectuel basali, français, kobanalelo, tilo bezo le français au pemadé. Mais comment est-ce que mutaza ko sala ba signe satanique, pe natam laï pour akiti boye azongi na ya memi ango, baba intellectuel bazo mona mo. C'est pour dire tout simplement, lorsqu'on avait construit le tabernacle, on avait donné une condition à Moïse que la lumière naturelle n'entre pas dans le tabernacle. Parce que le tabernacle devait être éclairé à l'intérieur par le chandelier. Maintenant, la lumière naturelle, c'est qui? C'est tous ces intellectuels licenciés en économie, bidoc, tridoc. Race de qui? Race de cet homme qui avait dit Jésus. Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère
pona botanga lesusu Nicodème. Donc bato batanga mingi et la cité que okoyeba makamba nzambe parce que la lettre tue mais c'est l'esprit qui donne la vie. Alors le Saint-Esprit quand il vient sur toi, il te capacite pour le ministère. Il te fait comprendre le sens spirituel et non intellectuel des Écritures. Deuxième partie, évangéliste, c'est comme Kita. Deuxième partie, c'est un peu qui est réel. Pasteur Nabisso, on tourne ça, ça va. Mais deuxième fois, c'est pourquoi pourquoi deuxième fois, à Tamboussa, on a quatre églises. C'est une vente des âmes. C'est une façon de dire à Lucifer que je te consacre. Au moins, il y a 300. Et ça, on a conseil à Moukili. Et ça, on a conseil à Nzam. Et ça, on a campagne à Moukili. Et dans la campagne en Zambé, ce que l'on connaît, salami, toutes les âmes qui sont là viennent d'être percutées par Lucifer et inscrites. C'est ainsi dans l'église où il y a plein de personnes qui font, mais ils ont été parce qu'ils ont été. Ah, plusieurs le suivront dans l'ère des règlements et la voix de la vérité sera calomniée. Il y a un moment où l'église est comme un centre à communiquer nécrologique. Alors, il y a un autre baptême. Et puis, on se dit comment? Comment maman s'est arrêtée là? Ézéchiel 38. Hein? Ézéchiel 28. Mais on a un salami dans l'église du Cambodge. Mais il n'y a pas de raté évangéliste. Oui, mais je te dis, on se met à l'église, on a dit ça, nous avons dit la carte église, la pasteur. Si on a une onction, il y a protection, on va protéger maintenant contre la mort physique précoce. L'Iwa qu'on va coopérer librement. La carte église, on va m'attendre la dernière, on va m'attendre la dernière. Les gens sont église, la pasteur, ça va sacrifice. Dieu est souverain. Souverain en quoi? Comment vous m'avez dit? Quand il y a dit que les portes de ces jours de mort ne vont pas prévaloir sur toi, église. En même temps, il y a soit dans l'église, et maintenant vous m'avez dit. Nous t'avons dit, église, tu tiens mon temps, Panzani. Pasteur, on a vous salué. Pire encore, mon dignité, pasteur, il y a église. Où est l'ange de l'éternel qui campe tout autour de lui? Et puis, ça, ami Bongo, les gens ne comprennent pas. Il y a une église, il y a un monsieur, un homme de Dieu ici à Kinshasa, il va dévoiler, ma Kambouya. Il y a Melchisedek, et par après, mon père va passer en Apoufi, et puis il y a un succès avant, il y a un succès. Donc, ce sont des sacrifices, plusieurs le suivront dans l'ère des règlements. On va en fait, je vais mettre le banon à la. La Bible dit cet évangile sera prêché. Merci Sandou Kamibé Kokozon Anisika Nango. Bolinga, bolinga te. Hein? Bokita, bon matin, bon téléma dans l'espace. Sandou Kamibé Kokozon Anisika Nango. Régime. Ozomon. Son talima la moi, ça les signe mon corps. Mais façon ça les mots. Parce que vous avez dit 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 que vous avez dit. Allez, t'as moi. Après ce mot, elle est qui? Salut satanique. A flashé un mot. Dans la vie que Dieu a préparé cet homme pour nous rencontrer. Qui est cet homme? Bafoumé. Mais on a dans la quatre églises. Bah, tu vas sur l'andaïe. Père spirituel, il y avait l'église de l'Alimeta. Mais il va juste pour quand même l'église Alimeta. On a dans quelle église l'Alimeta. Moi, je te dis s'il y a une bombe qui existe à Kinshasa. S'il y a une bombe ecclésiastique qui existe à Kinshasa, et bien, il y a plein de lits, il y a 17 ans. Bombe, on a mis les armes. Bombe, on a déclenché dans le monde. Je vais vous dire que bon, ce qu'on va commencer à faire, c'est le pasteur, moi, il est le pasteur. Faites attention avec les pasteurs anglophones. Ils sont dangereux. Les pasteurs anglophones savent que la magie c'est rien. Ah bon? Chez eux,
Tu peux être pasteur des églises de réveil, mais kabbaliste. Et d'ailleurs, je t'informe. Si on dit pasteur, moi, à qui Israël? À qui Israël et à Jérusalem, il y a Moïse. À qui Israël et à Jérusalem, il y a Moutou. Maintenant, Kabbalah. Maintenant, on Kabbalah. Les procédés judaïstes pour connaître Dieu. Nous avons dit qu'on est à changer la tête. Soit on a dit Pembe Pembe. Alors, tu n'as pas de balade à Pembe. Nous connaissons l'activité. Pembe Pembe. Soit on a dit noir, noir, noir. Ou soit noir, blanc. Il recommande aux gens de le faire. Cette méthode est tirée de la Bible. Comme Jésus était confondu parmi les apôtres, il a dit ça. Jida a fait ça code. La magie par les codes. Habitant, comme on a dit, Noana. Mouton a repris ça, baiser, neyewana. C'est-à-dire, tant on sent la campagne, Batunion, ce moment-là, on a un uniforme, il y a Pembe, Pembe, ça, mais mon avis, c'est divino. C'est triste, voilà, donc, Toko dévoilé, Kaka, Kino, beaucoup. Merci. Et moi, c'est très pour aujourd'hui, nous entamons déjà la fin de cette émission. Je ne sais pas, Hosanna. Hosanna à celui qui vit éternellement, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Lui qui nous a mandaté, il a dit, je reviens bientôt. Okay. Et quand je reviendrai, cette fois-là, je prendrai l'église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Bien-aimés dans le Seigneur, priez toujours pour nous. C'est une parole certaine que je vous dis. Priez toujours pour nous. Mettez-nous dans vos prières. Parce que je vous le dis en vérité. En vérité, je vous le dis, ce sont des gens qui cherchent par tous les moyens, soit à salir notre réputation. Parce que si vous voyez une mauvaise réputation, cela vous empêche et permet à certaines personnes qui ne sont pas absolues en Dieu de relativiser le message et de dire à Zane Farsé, moi, tout l'andaïs athée, en même temps, bagarre à vous. Deux, l'empoisonnement est une chose facile qu'ils cherchent à faire. De trois, ils cherchent des petits problèmes qui sont attachés à nos vies. Et comme ils collaborent avec certaines personnes qui sont ce qu'on appelle des gens, il y a un tribunal, il y a un parquet, ils inventent des choses. Mais maintenant, ils ne peuvent plus pourquoi. Parce que même toi, tu n'as vu Roger, dans sa diffamation à TV, dans le pan, pourquoi ça fout dans la justice, on les a procédés dans la biseauté. Procédés dans la biseauté. Le Seigneur est le maître de tout. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que biseauté, nous sommes à Boyanza, Yanza. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Et tout à l'heure sur cette émission, vous verrez bien un spot vous annonçant que chaque dimanche matin, Nazaréen vous permettra d'écouter la parole de Dieu pour être assis dans le véritable fondement inébranlable de la foi. Tika Mai, Tika Mungwa, Tika Mafuta, Tika Bilamba, Tika Sacerdoce, Tika Bakroa, Tika ma contribution financière honoreuse, Tika Komisambo, on est belé, Yaya, Tika Makambozangatina. Merci. Celui qui croit en Jésus, il sera sauvé. Et Christ prendra soin de lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi vous tous qui avez besoin de nous contacter, nous avons un numéro qui est dans l'IMO, et appelez dans WhatsApp. Bah, tu vas bien dans l'IMO, dans WhatsApp, dans le numéro, on a liste de ma prière d'intercession. Je t'ai fait ça, tu as vu, j'ai envie de prier. Donc chaque matin, je fais une prière en faveur des élus. C'est un mandat bien aimé dans le Seigneur. Donc tu m'appelles par les 00 243 9 98 82 0 0 0 4. Ça, c'est le numéro par les réseaux sociaux. Mais si tu veux m'appeler directement pour me parler ou me poser une question, sans passer par Tiffany, parce que le numéro est là déjà, tu composes le 00-243-90-79-66-785. Les autres diront 00-243-90-79-66. 785. Merci, merci beaucoup, plutôt vous, évangéliste Roger Baka. Nous sommes vraiment bénis cet après-midi. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, Tiba Koyoka. J'ai dit merci à ma personne sur Bazo commenter Bazo finir en tout cas dans ses plans pour vos talents. Gloire à Dieu. Bazo talents. Gloire à Dieu. Moi, je vais me rendre compte de la quatrième émission. Exacte. Vous, au tigre, nous au talent, bisous. Au finir, nous bisous. Ou bien. Pour que Osama Kambo ya au fin de la tout continuer la bisou kato lingio mingi tout ça dans les cambote yes à lingio à l'inga inga ina na 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 ma commune tozo kata ma kambo en tout cas n'est que tozo et au continuer balbi tozo changer technique à redévoiler toko kitati la bisika na bango koko ma benozo sa la kil tibso toyo wana. Tu es en train de me dire que ça qui te passe l'église. Il y a quelle église boye, il y a un problème pour la bâtie. Il y a une église boye, il y a un record.
Donc, premièrement, ils ont commencé à prêcher l'évangile pour captiver les esprits par les mensonges. Sur la base de Sabatunini, que Lucifer n'est pas un démon, mais c'est un ange créé par Dieu. Lorsqu'il était créé, il était créé comme étant le fils à la place de Dieu, mais c'est après avoir péché qu'il est devenu mauvais, mais ce n'est pas un démon. Mais pourquoi tu vas enseigner les gens sur Lucifer? Pourquoi? Et de deux, le pasteur a dit qu'il aimerait bien voir dans les jours à venir des milliardaires en dollars à l'âge de 20 ans. Au moins, on a maintenant suscité passion. Or, 1 Timothée 6, le verset 6 au verset 11 à l'objet, pour ceux qui veulent s'enrichir, c'est comme ça qu'ils sont tombés dans des pièges qui mènent les gens dans une ruine subite. Mais 11, 1 Timothée 6, 11 à l'objet, mais toi, fuis ces choses. Donc, qui m'a battu m'a commis l'évangile en bon mot. Prêche l'évangile avec ceux qui cherchent l'éternel des cœurs sincères. La justice, la piété, ton bâti qui bilogo est en haut. Merci beaucoup. Donc, en d'autres termes, on a profité de la vie si bâti. Pasteur Nyon Somoni, Azaka Mbongo, Mbongo, Okoma riche, Okoma Mbongo Bere, et ça, enseignement à secte, le monde est ténèbre. Et dans les jours à venir, je te promets, dans ce deuxième livre, comment détecter les pasteurs francs-maçons au travers de leurs prédications dans les églises de réveil. Je crois que dans un mois ou deux mois, ils ont commencé à prier. Mais est-ce qu'il va finir d'être le bibo? Tout le temps, comme toi, pasteur, est-ce que Benza une mission au titre sali, banda to bandaki, titre aussi, est-ce que tout est comment pasteur la vie? Pour la nini, vous commandez la combo nanga, la combo évangéliste Roger Bac. Bible n'est pas de kate bousso, ma cam. Amen. Combo m'touté. Bobo kendo sangana, boya, boko m'tou mon corps. Contre ngaï, contre les Nazaréens, c'est pas bien. Toi, bana papa, mon corps. Ceux qui ont combattu, c'est qu'ils ont un royaume de la bisoté. Ils ont un royaume même sous. Papa n'a bien au combo naïe Satana. L'homme, les gens disent. Et puis en plus, deuxième chose, ils ont un yuma dans le Seigneur. Comment va-t-on escroquer combo on a mis sous ma crasse et mon amour va y bon 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 conseil. Tellement que nous avons fait un bon malin, ce qu'on voit. Aux acos à profit, aux autres qui t'attaquent à pauvreté, aux la taille. Papa, si on fait ça, moi, ce n'est pas bon, on a que ça, les langues bon. Mon problème et comment problème comment on a eu ma boy on va l'esprit que nous avons reçu et c'est esprit il y a supériorité comment un aventurier à ce qu'on s'en a combien j'ai zoli en bon 20 fois qui tourne à ma bonza ça ne se fait pas beaucoup zonga nanzela bolinga bolinga de beaucoup zonga nanzela si j'ai mal parlé excusez-moi c'est pas moi. Si je vis, c'est Christ, c'est que c'est Christ qui parle en moi. Quant à moi, je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Je tiens à saluer tous ceux qui sont ici. Et je dis que priez beaucoup pour nous. La princesse de l'éternel, vous aime beaucoup. Bientôt là, dans le BKV, dans l'Est, côté on a mis surtout, tout. Pour la gloire, il y a tata. Tous autres travaillent, tous les mavions, t'es. Et ça, ma casse, la psoté, ma casse, tata. Que Dieu nous bénisse. Ciao. Azamwana moto te, oako sangai, abangwani pe.